privé et difficilement stoppé par Thierry du Sautoir. Et perdu, ballon perdu par les Italiens. Récupération avec Sébastien Mézi qui a vu peut-être un intervalle. Le crochet de Sébastien Mézi. Voilà. Et le voilà, le premier essai toulousain aplati par Sébastien Mézi qui profite de la supériorité numérique de Toulouse. Enfin, Toulouse ouvre le compteur des essais avec cet petit exploit de la part de son demi de mêlée. Pézi qui va profiter d'un bon turnover, crocheter et battre la défense des Zèbres. Voilà, pour récompenser ce temps fort toulousain sur la ligne des Italiens, la transformation assurée par Jean-Marc Doucet. Et voilà comment, à une minute de la fin de cette première période, Toulouse mène 10-3. Ouf, c'est le début du boulot. Plus que 3 minimum. Mais ce sera peut-être pas aussi simple que prévu. Et les conditions atmosphériques avaient évidemment dès hier alerté Guinoves sur cette difficulté. Allez, bien joué de la part de Sébastien Mézi qui a déjà marqué un top 14 cette saison.